Voilà, merci à vous tous. J'ai déjà eu l'occasion de m'adresser à des lyonnais dans une autre église, dans un Carmel, qui est bienvenue aussi à tous ceux qui ne sont pas lyonnais. Entre 1997 et 2009, ma nomination d'évêque, j'ai eu effectivement la grâce, par hasard, de découvrir et d'accompagner des personnes célibataires. Et tout de suite, vous allez comprendre la thématique. Non point des personnes qui ont choisi ce célibat comme des personnes consacrées, religieuses par exemple, hein, ou des prêtres, mais des personnes qui ne l'ont pas choisi et qui sont en attente, soit de leur vocation, soit de la grande rencontre avec l'homme ou la femme de leur vie. Et essentiellement, pour être très honnête, c'était des célibataires catholiques, croyants, donc on avait développé un mouvement de spiritualité. Les premiers que j'ai rencontrés, en fait, ce ne sont point des jeunes qui se préparaient au mariage, parce que si j'ose dire, quand on est déjà dans la phase de préparation au mariage, pour moi, on n'est plus considéré comme célibataire, voilà. Même si on l'est juridiquement. Il s'agissait de personnes donc que j'accompagnais en Terre Sainte, d'amis, 30 ans, plus, et qui m'ont fait découvrir une réalité sociologique que je ne vais pas vous décrire dans le menu, mais qui aujourd'hui occupe une place de poids dans le visage et la forme de la société française. Suivant la façon dont on compte les célibataires, c'est-à-dire, pour être clair, par exemple, à partir de quel âge dit-on qu'on est célibataire? On est jeune, on est étudiant, on a 18 ans, bon, on est adolescent de 16 ans, on va dire non. Bon, maintenant, on a 20 ans, on est au cœur de ses études, on pense encore à son diplôme, ok. Maintenant, on a 23, 25 ans, est-ce que je peux me considérer comme célibataire? Est-ce que déjà je vis le célibat plus que comme une attente, mais vraiment... Mais comme un poids, un creux, bientôt une soif, enfin une souffrance, c'est difficile. Mais on peut estimer la part de population, en tout cas de personnes effectivement seules, il suffit que vous alliez sur le site de l'INSEE, hein, sur les rubriques famille, vous verrez, c'est-à-dire des personnes qui, en âge de se marier, n'ont pas de relation conjugale stable. Et nous sommes, depuis le début des années 1970, sur une croissance régulière. Donc, si vous voulez, pour le dire autrement, ni le concubinage, ni aujourd'hui le Pax, ou toutes les versions plus faibles d'union conjugale, nuptiale, n'ont inversé cette tendance. Parce qu'on peut dire, oui, mais il n'a pas envie de se marier à l'église, mais il vit stable en couple. C'est un phénomène, je vais très très vite sur la description, hein, c'est un phénomène historiquement totalement nouveau. Jean-Claude Bologne a fait une énorme histoire du célibat, 600 pages bien denses. On note qu'effectivement, historiquement, dans certains coins, pour des raisons économiques ou des raisons militaires de guerre, il y a eu des phases de célibat, mais souvent c'est très localisé dans le temps et dans l'espace. Vous imaginez qu'en 1919, donc à la fin de la Première Guerre mondiale, 1 400 000 jeunes hommes tués, certaines classes d'âge, 30 à 40%. Bon, vous rajoutez là-dessus 4 à 5 millions de blessés, d'handicapés, de mutilés, c'est vrai qu'il y a eu un petit problème pour les femmes au retour de la guerre. Peut-être qu'il est certaines d'ailleurs ont été un peu moins difficiles que ne le sont les jeunes femmes d'aujourd'hui. Et oui, si on veut avoir des enfants, bien. Mais, si vous voulez, les choses, par exemple, aussi, on a un cas comme ça, je crois que c'était au 16e lycée. Je ne sais pas pourquoi il y a un phénomène de résonance qui peut-être vous évite de vous endormir, mais peut être pénible. Mais, si vous voulez, il y avait Jean-Claude Bologne raconte aussi que, j'étais au 16e ou 17e siècle, par exemple, dans les Pyrénées, les gens étaient très pauvres. Donc, on ne pouvait pas diviser la ferme. Donc, l'un des fils héritait de la ferme et lui pouvait se marier. Et les autres
pour le coup, restant célibataire, vivait à la charge de celui qui avait la ferme. Bon, donc c'est des raisons, si vous voulez, très contextuelles, et le jour où on a les moyens, on retrouve la forme sociale habituelle de la famille et du couple. Aujourd'hui, dans nos sociétés occidentales, nous assistons à un phénomène qui n'a quasiment pas été pris en compte par l'Église, en tout cas à ma connaissance en France, je connais tous ceux qui font des choses pour les célibataires, massif, ce qu'on appelle en sociologie une tendance lourde. Vous allez me dire, et alors, peut-être que je me marie à 30 ans, quel est le problème? Certes, on a le droit de se marier à 30 ans, 35 ans, 40 ans, 60 ans. On peut même se marier sur son lit de mort. C'est le droit de l'Église. On peut régulariser certaines choses, par exemple. Donc, il n'y a pas d'âge pour se marier et former une communion d'amour féconde. Mais, ça veut dire que si vous êtes marié à 35 ans, 32 ans, eh bien, entre, disons, la fin de vos études, 22 ans, 25 ans, et le temps du mariage, eh bien, il y a eu 5 ans, 8 ans, 10 ans, 20 ans d'un célibat. J'ai découvert tout cela. J'ai découvert aussi la profondeur de ce non-choix du célibat. Quand la jeune femme, le jeune homme, est confronté à un schéma de vie qui ne correspond pas à celui qu'ils avaient envisagé. On passe son bac, ou son diplôme de CAP et autres. Ensuite, on commence sa vie professionnelle, où on achève ses études, pendant lequel on fait des rencontres, et puis, à un moment donné, la belle rencontre, et on se marie, et on a des enfants, qui auront eux-mêmes des enfants. Je suis tout à fait pour ce schéma, la question n'est pas là. La question, c'est que pour beaucoup d'entre vous, quels que soient vos âges aujourd'hui, ça ne se passera pas tout à fait comme ça. Je suis obligé de vous le dire, aussi franco de port, sans vouloir vous terroriser. Je ne suis pas un terroriste du mariage. Je veux dire simplement, c'est un fait. Et quand je m'adressais, il y a encore 10 ans, à des jeunes ou à des groupes où il y avait mélange de célibataires et mélange de jeunes comme vous, je sentais bien le sourire intérieur, voire le ricanement de ces jeunes étudiants de 18-20 ans qui disaient « Oui, mais pour moi, ça ne va pas se passer comme ça. » Le problème, c'est que maintenant, 10 ans après, je les retrouve, et bien, ça se passe comme ça, je viens de vous dire. Bien. Et j'ai découvert, grâce à eux, ce que pouvait être non seulement l'extension sociologique, mais aussi la difficulté psychologique, silencieuse et pesante solitude. Pesante quand on se retrouve tout seul et on passait l'âge des week-ends improvisés avec des étudiants dans le 15e arrondissement de Paris ou le 2e arrondissement de Lyon, dans son appartement en face de son frigidaire blanc. J'ouvre une petite parenthèse. C'était l'exemple que je prenais avec mes groupes. Beaucoup de célibataires se trouvent effectivement dans le 15e arrondissement de Paris. Quand j'ai été nommé évêque aux armées en 2009, 7 ans, moi qui ai toujours vécu en communauté et qui était un peu sarcastique sur tous ces célibataires qui se trouvaient tout seuls dans un appartement du 15e à souper le soir devant leur frigidaire blanc, je me suis trouvé en novembre 2009 célibataire tout seul dans un appartement dans le 15e arrondissement de Paris ayant acheté un frigidaire gris pour éviter le blanc. Et j'ai commencé à comprendre ce que ça représentait. Là aussi, je ne vais pas vous faire toute cette description. Et cette solitude, elle est non seulement pesante mais silencieuse, car elle se joint à une honte et à une incompréhension. Oui, oui, tout va bien. Je me suis fait piéger comme prêtre. Les parents se font piéger comme parents. Les grands frères, les grands sœurs, tout le monde se fait piéger par le discours des célibataires. Mais enfin, je ne comprends pas, tu as 28 ans, tu n'es pas encore marié. Ah non, j'aime bien mon indépendance, tout va très bien, tout va très bien. Madame la marquise. Parce que il y a cette espèce de pesanteur, en tout cas dans le milieu catholique, de se dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. C'est mon troisième aspect, c'est que si on a la foi à cette dimension sociologique que j'ai effleurée, psychologique, il y a aussi la dimension théologique.
Normalement, à 27, 30 ans, allez, si vraiment j'ai fait des études longues, 35 ans, je sais ce que Dieu veut pour moi. Et je ne sais toujours pas. Quel état de vie le mien ? On nous a bien présenté, surtout le dimanche des vocations, c'est en février, hein. Arrive un certain âge, ce jour-là, vous irez à la messe en latin, pour ne pas comprendre l'homélie, qui porte toujours sur les états de vie. Oh, la magnifique état de vie sacerdotale, les prêtres sont tous étonnants et prodigieux, ça c'est vrai, les évêques, encore un peu au-dessus. Et puis les religieuses, les femmes merveilleuses, extraordinaires, données aux autres, et le mariage qu'on sait exalté. Et les célibataires sont là, terrés, au fond de l'église, en train de se dire, et alors moi là-dedans, dans le schéma, j'existe pas. Ou, pour le dire autrement, Dieu avait beaucoup, beaucoup de dossiers, c'est un grand PDG, Dieu, sur son bureau, et le mien passe toujours en dessous, il n'est jamais traité. Donc les autres, à 22 ans, ils se marient, des vénards, mes meilleurs amis hommes, des beaux gosses, ils rentrent au séminaire, ça c'est pas très malin, et je me trouve... toute bête, j'aurais dû fréquenter des jeunes hommes moins cathos. Je rigole. Bon, voilà. Au point que l'une de mes amies, aujourd'hui mariée, qui a été longtemps célibataire, Dominique de Montléon, a écrit un petit ouvrage qui fera beaucoup de bien et qui a fait beaucoup de bien, qui s'appelle « Dieu ne m'a pas oublié ». Vous comprenez pourquoi ? Voilà, donc, je vais très vite sur ce premier point qui est une sorte de description, mais sociologiquement, tendance lourde, psychologiquement, une souffrance profonde et tenace, théologiquement, beaucoup d'incompréhension. Alors, qu'est-ce que je peux vous ouvrir comme voie ? Et puis ensuite, j'écouterai vos questions. Alors, je voudrais deux points. Premier point, quelles sont les richesses du célibat non choisi. Encore une fois, si vous avez 16 ans, 18 ou même 20 ans, considérez-vous encore dans la belle croissance de votre maturation. Vous en avez 23, 27, 30, peut-être vous pouvez être intéressé par ce que je veux dire. Ce célibat, je l'appellerai non choisi. Vous y consentez surtout la veille des week-ends parce que ça vous rend libre. Tandis que vos copains mariés, oh, ils peuvent encore partir, ils restent accessibles. Mais alors le jour où ils se retrouvent avec un petit bout d'homme tout rouge, hurlant dans son berceau, c'est fini. Ils vous oublient, ils ne vous téléphonent plus, ils ne répondent plus à vos téléphones, et à chaque fois que vous leur proposez un week-end, ils répondent « je ne peux pas ». Faites cette expérience, vous l'avez déjà faite. C'est très concret. Alors, il y a des richesses dans ce célibat non choisi, même si, encore une fois, il est porté, surtout quand on est jeune, avec légèreté. Le célibat devient progressivement pesant, si vous voulez, comme pourrait l'être, je n'ai pas d'expérience, une femme acariâtre. Voilà, au fur et à mesure des années, ça devient pesant. Oui, les exemples ne sont pas toujours très symétriques. Je suis un homme, je vous rappelle. Alors, je voudrais que, pourquoi ? Parce que dès maintenant, commencez à faire fleurir ces semences divines, ces richesses de Dieu. J'en ai cinq à vous donner. Premièrement, vous avez en vous la grâce du baptême. On dit dans notre jargon épouvantable, le sacerdoce universel, baptisme. Et donc, mettez en œuvre votre baptême, votre confirmation, l'Eucharistie. Ce sont des richesses sacramentelles et vous n'avez pas besoin du mariage, du sacerdoce, de vocation religieuse ou autre pour faire fleurir votre baptême. Je vous rappelle que votre baptême vous rend apte non seulement à accueillir le Christ, ce serait une vision individualiste et égoïste de la religion, mais surtout à le porter comme on porte la flamme, comme le cierge porte la lumière, pour le transmettre aux autres. On est bien d'accord. Et que le problème aujourd'hui de l'évangélisation, ce n'est pas le nombre de prêtres,
le pape nous l'a dit plusieurs fois, le pape François que j'ai rencontré, c'est la question d'un laïcat qui doit prendre conscience qu'il n'a pas à attendre la mission du clergé. Vous êtes déjà baptisé. J'ai réfléchi longuement, souvent. Je ne vais pas développer tous ces points, hein, je les énumère, sur cette question du baptême. Et j'oserais même dire, le célibataire qui ne l'a pas choisi, qui ne s'est pas consacré à Dieu dans le célibat, il doit être le reflet, le symbole parfait, justement, de cette mise en œuvre d'un baptême qui n'attend rien d'autre pour porter des fruits de mission et des fruits de sainteté. On est bien d'accord là-dessus. Parce que sinon, vous allez dire, regardez, moi je suis prêtre, et évidemment que je prêche bien, que je peux être missionnaire, puisque j'ai le sacerdoce. C'est oublier que je suis rentré dans l'Église par mon baptême. Et que de temps en temps, j'agis comme prêtre, quand je célèbre in persona Christi, dans la personne même de Jésus à messe, ça, personne ne peut le faire à ma place. Mais en revanche, il y a d'autres moments, par exemple, quand je suis assis, quand j'étais assis avec mon groupe là, des JMJ, à faire des temps de partage, etc., je suis baptisé avec d'autres baptisés. Le pape François nous le rappelle. Bien, premier point, cette grâce et sacrement de l'Eucharistie, de la confirmation, vous êtes soldat de Christ, apôtre de Jésus, et ça vous rendra très heureux. Faites simplement l'expérience un jour d'avoir le retour d'un homme ou d'une femme, vos copains, qui vous disent « Grâce à toi, j'ai rencontré Christ. Tu m'as dit un jour telle phrase. » Ça m'a marqué. Deuxième richesse que vous avez à vivre, l'amour d'amitié. Qui vous en a parlé dans l'Église? Nous sommes en train de passer à côté d'une des plus belles traditions catholiques. Notre Seigneur Jésus lui-même dit à ses apôtres le soir de sa mort, « Je ne vous appelle plus serviteurs, mais amis. Et je vous invite à vous aimer les uns les autres d'un amour d'amitié. » Et saint Paul, et saint Augustin, le grand saint Augustin, il y a toute une tradition catholique qui nous dit que l'amitié, on ne parle pas de l'amour conjugal, je ne parle pas de l'amour parental d'un papa pour son enfant, je ne parle pas de l'amour fraternel que vous avez pour vos frères et sœurs, je parle bien de l'amitié. Ah, plus personne n'en parle. Ah oui, mais l'amitié, c'est un pis-aller en attendant le grand amour. Ah oui. Sauf qu'un jour, si vous êtes marié, vous découvrirez que votre amour conjugal, l'amour brûlant de vos fiançailles, pour mûrir, doit devenir aussi une amitié. Réflexion d'une personne qui m'est très proche un jour, après plus de 20 ans de mariage, ça m'a bouleversé, qui me dit, « Mais Luc, c'est mon prénom, je viens de m'apercevoir que je traite mieux mes amis que mon mari. » Paf, percuté, après plus de 20 ans de mariage. Voyez. Donc, c'est pas du tout un amour seconde zone, l'amour d'amitié. C'est l'amour dont Jésus a aimé ses apôtres et dont ils doivent s'aimer entre eux. C'est le top de l'amour. Allez-y. Je ne vais pas vous parler, mais si vos questions portent là-dessus, de ce que c'est que l'amitié par rapport à d'autres formes d'amour. Ce n'est pas les communs, ce n'est pas les camarades, ce n'est pas les relations sociales, c'est l'ami. C'est réciproque, c'est électif, c'est choisi. C'est très profond. Ce sont vos amis qui vous conduiront très souvent sur les voies divines. Pensez à ça. J'ai beaucoup réfléchi aussi avec mes personnes célibataires sur ces idées que l'amour d'amitié. Mais ça, on leur dit, c'est pas un pis-aller du chewing-gum que vous mâchez en attendant d'avoir un bon sandwich. Or, c'est comme ça qu'on vit. Oui, c'est la période de la jeunesse. Mais mes amis, je vous appelle ainsi. Parce que j'aimerais devenir chacun de vous soit mon ami et pouvoir devenir l'ami de chacun de vous. Seul Jésus peut l'être, évidemment. Quand vous serez vieux, et vraiment vieux, comme saint Jean-Paul II, les dernières années de sa vie, je l'ai vu de mes propres yeux à quelques mètres, dans son fauteuil, avec la main qui tremblait, de temps en temps, il prenait l'autre main pour essayer qu'elle ne tremble pas à cause de Parkinson. Quand vous serez comme ça, et je vous souhaite d'être comme ça un jour,
D'être vieux, c'est le seul moyen de mourir âgé, hein, vous savez. Eh bien, qu'est-ce qui vous restera? Vous avez été PDG, machin, truc bidule, professeur à l'université, reconnu par vos pairs comme le meilleur artiste du monde. Si vous n'avez pas d'amis, vous mourrez seul. Troisième richesse, la fécondité spirituelle. Puisque dans notre morale, à nous, on inverse, on met pas la charrue avant les bœufs. Est-ce que vous comprenez ce que j'allais dire ou est-ce que je suis obligé d'être plus précis sans choquer les oreilles féminines de l'assistance? C'est-à-dire que normalement, le schéma, c'est je me marie et je fais les enfants après. Il arrive que ce schéma soit inversé. Prenons le cas du schéma dit catholique. On se marie, on s'engage et on fait des bébés. Dans ce schéma-là, évidemment, vous n'avez pas de fécondité physique, naturelle. Mes amis, vous allez découvrir la fécondité spirituelle. Ah oui, mais moi je ne suis pas prête, je ne suis pas religieuse. Quel rapport? Oui, mais moi j'ai fait le choix, prêtre, évêque maintenant, de la fécondité spirituelle. Qu'est-ce que c'est être fécond? Être fécond, c'est donner la vie. D'accord? Ou donner de la vie. Quand vous avez rendu le sourire à un enfant, vous l'avez remis dans le courant de la vie. Vous avez été fécond. Ah oui, mais je veux avoir 7 enfants, j'ai déjà 30 ans. Tu auras, au-delà de tes 7 enfants, une multitude, comme Abraham, de fécondité et d'enfants. Et tes descendants seront plus nombreux que les étoiles du ciel. Vous avez vu les descendants d'un père Kolb, d'un saint Jean-Paul II? Ben, c'est ça. Et vous êtes appelé à le vivre dans le célibat non choisi. Quatrièmement, vous avez du temps libre, quelle richesse! Vous avez réfléchi à ça? Célibataire, le gars qui est célibataire, il a du temps. Quand on a un gamin, deux gamins, trois gamins dans les jambes, c'est fini. Ou alors il faut attendre encore 25 ans pour que, à nouveau, avoir un peu de temps libre. C'est une richesse. Souvent, là encore, nous avons partagé cela. Pourquoi? Eh bien, parce qu'arrivé à un certain âge, ce temps libre vous embarrasse. Vous allez voir, si vous restez célibataire. À 20 ans, 22 ans, on n'a pas assez de week-end pour partir au ski, on a les moyens, voilà, ou se manger une pizza devant cette demi-finale de la Coupe du Monde. Non, la Coupe d'Europe. Pardon. Mais à 30, 35 ans, quand ses copains commencent à être mariés, encombrés par des enfants, on se retrouve comme ça en train de se dire, zut, j'ai encore 5 semaines de vacances. Je vais en passer une avec mes parents, peut-être 2 en comptant la semaine avec les frères et sœurs, et le reste, qu'est-ce que j'en fais? Tout le monde part en famille ou avec la bande de copains. Voilà. Vous avez du temps libre. Qu'allez-vous en faire? Enfin, cinquième et dernière richesse, peut-être d'autres, hein, du célibat non choisi, c'est que, précisément, Dieu ne vous a pas oublié. Dieu ne vous a pas oublié, et je me demande s'il n'a pas une attention singulière envers ceux dont il creuse le désir. Creuse. Vous dites, non, mais 2 mètres de profondeur, ça suffit. Non, j'ai creusé plus. 3 mètres, 5 mètres, 5 ans, 8 ans, 10 ans. C'est trop long, Seigneur, ça y est, je suis mûr, je suis prêt. Et Dieu qui continue de creuser en nous le désir. Si je pouvais vous parler du désir, si j'en avais le temps, je vous en parlerais pendant des heures. C'est le moteur humain. Moteur humain. Rien n'est plus triste qu'un homme qui n'a plus de désir, ou dont les désirs sont rassasiés, comblés. Il n'aspire plus à vivre, tout simplement. Voilà, les 5 richesses du célibat non choisi. Et puis maintenant, j'aimerais vous proposer les chemins du célibat d'attente. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que vous avez un célibat non choisi. Est-il un célibat d'attente? Ou avez-vous renoncé à attendre quoi que ce soit? Oh, mais c'est fini, moi j'ai passé l'âge.
Ça y est, j'ai 35 ans, je ne me marierai plus, je renonce. Est-ce que vous comprenez les différences entre ce que je n'ai pas choisi, et puis je me suis soumis à ce que je n'ai pas choisi, ou au contraire, c'est pas grave, j'ai 30 ans, j'en ai 35, j'en ai 40, je continue d'attendre la rencontre, par exemple, ou l'appel de Dieu sur moi. Donc vous voyez, c'est deux volets, si vous voulez, très différents du même célibat, de la même réalité sociale. D'un côté, c'est un fait, je ne l'ai pas choisi, mais il y a des richesses à développer. Et de l'autre, je dois toujours garder mon célibat non choisi dans une dimension d'attente, vigoureuse, vivante. C'est pas la même chose, hein. Moi, j'ai connu beaucoup de personnes célibataires qui me disent « je souffre de la solitude ». Oui, ça, c'est certainement vrai. Mais attends-tu quelque chose? Es-tu dans une posture, encore, par exemple, de rencontre? Ou est-ce que tous les volets de ta maison sont fermés? Ah, j'aimerais bien accueillir quelqu'un. Attends, t'as mis tous les volets sont fermés, t'as éteint l'électricité à l'intérieur, t'as mis le double verrou, on ne sait même pas qu'il y a quelqu'un dans cette baraque. Ah, voilà. Alors, les chemins du célibat d'attente. Moi, je ne vous dis pas la méthode infaillible pour trouver l'âme sœur à part participer au gala des grandes écoles ou au bal de Polytechnique à l'Opéra Garnier. Sauf qu'il faut quand même se faire inviter parce que c'est cher. Je le dis parce que j'ai tout un groupe de polytechniciens dans le groupe du diocèse aux armées. Ah. Ou de polytechniciennes. Quand même, rétablissant un peu la symétrie, hein, parce que les hommes aussi ont le droit de se marier. Alors, premièrement, vérifiez que vous êtes toujours en posture d'attente. C'est pas très compliqué à comprendre, quand même, ce que je vous dis là. Est-ce que mon cœur attend toujours quelque chose ou est-ce que je suis fatigué d'attendre? Ah, tu es arrivé en retard à mon rendez-vous. Eh bien, je m'en vais, je t'attends plus, je quitte. Vous comprenez ce que je veux dire? Je passe de la posture d'attente, mais elle arrive en retard. Parce que les hommes ne savent pas que c'est une tactique féminine, en fait. Mais voilà, donc restez courage. Ne vous découragez pas. Donc, première chose, quels que soient vos âges, vérifiez que si le Seigneur ne vous a pas appelé à un célibat consacré, même dans le monde, on l'appelle les instituts séculiers ou autres, vous êtes toujours sur une posture d'attente. Pourquoi? Parce que c'est cette posture d'attente qui vous permettra de ne pas avoir, de ne pas montrer un visage étanche et un cœur étanche à celui qui vous tourne autour. J'ai tellement vu comme ça dans des groupes avec des hommes et des femmes que de temps en temps, j'ai pris certaines jeunes femmes comme ça ensemble. Mais est-ce que tu réalises ton attitude? Est-ce que tu réalises que tout dans ton attitude est là pour repousser les mecs? Ah ben non, 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 moi je cherche toujours. Ah ben, écoute, vérifie ton attente, et vérifie ensuite qu'effectivement, cette attente en toi ben, te garde ouverte à une possible rencontre. Je vais vous parler du chemin de la rencontre. Attention, hein, ne confondons pas. Vous pouvez très bien souffrir de quelque chose et ne pas réagir à cette chose. Vous êtes d'accord? Par exemple, vous pouvez souffrir du totalitarisme nazi ou communiste et ne pas entrer en résistance. Alors, l'attente dans ce célibat non choisi, c'est la forme de résistance aux forces de pesanteur, voire de mort, qui peuvent éteindre votre âme. Pas 25 ans, mais 35, 40 ans, ça peut arriver. Attention, ne peut pas éteindre la flamme. Et renoncer à vivre et à renoncer à aimer. Attention, tu es très prudent. Bon, vérifie cela. Deuxièmement, enlevez les obstacles si vous en avez reconnu ou si on vous a aidé à les reconnaître. Alors, il y a toutes sortes d'obstacles. Prenons par exemple les obstacles physiques. Les obstacles physiques ne tiennent pas d'abord au profil, à votre tour de taille.
à la largeur de vos épaules. On le croit. On se dit quand même, si je suis top modèle, ce sera plus simple d'agréger autour de moi ma petite cour de bonhomme, mec, etc. En fait, la question physique est quand même très importante. Pourquoi ? Le corps. Est-ce que vous avez déjà rencontré quelqu'un autrement que par son corps ? Non, jamais personne. Donc vous voyez l'importance. Jusque dans les fringues, les habits. Oh oui, mais vous comprenez, il ne faut pas qu'il s'arrête à ces choses-là. Il doit aller à mon cœur qui est vibrant d'amour. Comment voit-il votre cœur ? Voilà, tout simplement. Enfin, tout le monde le sait, le devine. On est au GMJ. Alors bien sûr qu'on a tous le même t-shirt, en tout cas pas celui qu'on a acheté en solde. Je peux vous dire, dans les magasins féminins de la rue Grêne, hein, c'est pas le même. Hein. Voilà, on est content d'avoir notre marinière. Les hommes, ça les met plutôt en valeur. Mais le reste du temps, il y a un jeu de séduction. Et ce jeu de séduction commence par le corps. Séduire peut dire être séducteur ou séduisant. Le séducteur manipule, le séduisant rentre dans le jeu de la rencontre. Séduire, ça veut dire conduire à soi. Ah, je n'ai pas à être séduisant. Bah, alors tu ne conduiras personne à toi. Je n'ai pas à être séduisant. Alors attention, le corps, la chair, comme on dit dans la Bible, ce n'est pas seulement, encore une fois, des mensurations. La plastique féminine ou masculine semble un avantage. C'est une de mes expériences de 20 ans. Très amusant, hein. Je suis frappé de des expériences comme ça que je n'avais pas analysées, que j'ai gardées. Nous organisions à l'époque des booms. Je ne parle pas d'attentats, je parle de soirées dansantes. Ça s'appelait comme ça à l'époque. Bon. Étudiants, très sympas, pas des cadeaux, hein. C'était avec tous les jeunes qui voulaient bien. On drainait les lycées, je me souviens, de Versailles. Et j'avais fait cette expérience de jeune, pas particulièrement investi dans l'aumônerie et autres, même plutôt assez loin, 18-19 ans, qu'il y avait des filles superbes, des vrais mannequins, qu'on invitait une fois et après qu'on laissait tomber parce qu'elles n'ont pas de charme. Vous commencez à comprendre ce que je veux dire. Le parfum d'une fleur est aussi important, pourtant c'est bien du corporel, n'est-ce pas ? Le parfum d'une personne, c'est son charme. Bon, c'est des questions comme ça. Alors, il y a des tas d'obstacles comme ça. Bon, n'hésitez pas à vous faire aider. Les copains, les remarques des copines, etc., ça peut nous aider. Peut-être même un jour, aller voir un psychologue parce que une torsion enfantine de notre affectivité nous a rendu pas inaptes, mais qui nous bloque pour une rencontre. Il y a des personnes comme ça qui malheureusement ont développé dans leur psychologie des phénomènes de réaction. Donc elles laissent venir l'autre personne, tout commence bien, le charme est là, ça joue, puis à un moment donné, blocage. Et une fois, deux fois, trois fois, le même processus se répète. Donc, on enlève les blocages, s'il y en a. Enfin, troisième et dernier point. Essayons de décrypter les étapes de l'amour nuptial, de l'amour des noces, du mariage. Il y a bien sûr des étapes avant le mariage et il y a des étapes après le mariage. C'est-à-dire, tout n'est pas joué quand on s'est marié. Ce matin, je fais un peu rire les jeunes parce que ça les tient éveillés. Je leur disais, je leur parlais un peu de l'autre, puisque c'est de la miséricorde envers l'autre. Alors tout le monde parle de la miséricorde, mais en fait, le vrai problème, c'est de savoir qui est l'autre. Parce que l'autre, l'aspect de la miséricorde, en fait, ça va de soi parce que c'est l'Esprit Saint en nous, dès qu'on est sensible à l'Esprit Saint. Ça ne pose pas de problème. Le problème, c'est le prochain, l'autre, que je découvre un alter ego. En latin, alter ego, l'autre. L'autre moi, de même dignité, hein, unique au milieu d'eux. Et alors je leur disais, bah, effectivement, parfois l'autre apparaît comme une citadelle,
imprenable. Telle la jeune femme dont on se dit elle est trop belle pour moi. Combien de fois j'ai marié des gens comme ça. Mais au début, j'étais persuadé qu'elle était trop belle pour moi. J'ai un couple ami adorable. Ils sont différents comme c'est pas possible. Lui est originaire d'Afrique. Elle, ils sont toujours ensemble. Deux types extraordinairement brillants. Extraordinairement brillants. Ils font tout ensemble. Et lui, il me confie ça comme ça un jour. J'étais assis, c'est deux juristes, hein, magistrats de premier niveau. Et lui, je suis avocat pour les pays, etc. Et il m'a raconté un jour, j'étais assis à table à côté d'elle, je l'ai regardée, je me dis, oh, elle est beaucoup trop belle pour moi, jamais elle ne voudra de moi. Ça a commencé comme ça. Citadelle imprenable. Et je leur expliquais que nous, dans le monde militaire, on sait prendre des citadelles d'assaut. Ça vous intéresse? Mesdames, hop, vous décrochez quelques secondes. Messieurs, on commence par faire le tour de la question. On commence par faire des... comme je sais ça, Alésia. Vous voyez ce que je veux dire quand vous ne connaissez pas Alésia. D'accord. Ce n'est pas... On construit des bastions de gentillesse. Un peu rapprochés, pas trop rapprochés quand même. Il faut quand même être crédible. Hop. Ensuite, on fait un fossé tout autour de délicatesse. Là, la délicatesse, de partout. Enfin, on arrive avec nos machines d'assaut, le dialogue, l'écoute, encore mieux que le dialogue, de tous les sujets. Et quand la forteresse est tombée, on enlève tout. C'est quand c'est symétrique. La malchance, c'est quand c'est pas symétrique. J'aime raconter avec un peu de l'air narquois. Et en fait, c'est pas si drôle que ça, mais c'est quand même drôle. Disons pour moi, curé, c'est la jeune fille. Vous avez quel âge en moyenne? Qui a 22 ans parmi vous? Voilà, 22 ans. Elle arrive voir sa maman en larmes. En larmes. Alors, la maman, parce que même si on a 22 ans, elle est quand même une maman gentille, qui lui dit, mais enfin, qu'est-ce qui se passe, petite? Moi, c'est toujours la petite, hein, de ses parents, surtout quand on pleure. Ah, voilà, j'aime et je suis aimée. Mais c'est merveilleux, ma fille. Toute notre vie, c'est ça, c'est l'amour. J'aime et je suis aimée. Le problème, c'est que c'est pas le même. Alors, mais oui, pas toujours la chance. Hein, c'est pas si drôle que ça, mais un peu quand même. Alors, est-ce que je peux vous donner... un conseil, c'est de lire dans 20 ans le livre que je n'ai toujours pas eu le temps d'écrire sur le Cantique des Cantiques. Ce petit livre de l'Ancien Testament qui décrit l'amour d'un homme et d'une femme et que la tradition juive et catholique a toujours lu comme étant le rapport entre Dieu et son peuple, Dieu et l'âme. Mais Jean-Paul II avait ouvert une piste formidable. Il a lu ça tout simplement au premier degré comme étant ce qu'il dit, l'amour d'un homme et d'une femme. D'ailleurs, ça ne s'oppose pas, puisque très souvent dans la Bible, on compare l'amour de Dieu et de son peuple à l'amour nuptial, conjugal, matrimonial. Ah, dit Dieu à son peuple qui vient de le trahir et d'aller vers d'autres dieux. Rappelle-toi le temps de tes fiançailles quand je t'emmenais au désert, hein? Il est loin. Bon. C'est ça. Alors, c'est passionnant, un peu difficile parce que c'est de la poésie, mais on y décrypte, me semble-t-il, les grandes étapes, sans chronologie. Je ne peux pas vous dire ça va prendre 3 semaines, 6 mois, 1 an. La chronologie, si vous voulez, qu'il faut respecter de l'amour nuptial.
Il y a, si vous voulez, dans le Cantique des Cantiques, un prologue, cinq poèmes, un épilogue. Juste pour vous dire, première étape de l'amour nuptial, c'est le cri de la femme, mais on peut l'imaginer symétrique. Je tape dans le dur, qu'il me baise des baisers de sa bouche. C'est comme ça, hein, c'est la parole de Dieu, inspirée par l'Esprit. Et ça n'a jamais été contesté ni par le judaïsme, ni par le christianisme, ce texte. Quelle est la première étape? L'éveil de la chair par le désir. Très, très extraordinaire. N'est pas encore sur un amour spirituel, tout ce que vous voulez, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire d'ailleurs, l'amour spirituel. Tout simplement spirituel, je n'ai jamais toujours compris ce que ça voulait dire. Ce que je sais, c'est qu'à la différence de l'amitié, par exemple, il y a un désir brûlant et un désir qu'il faut approfondir, juste pour vous mettre l'eau à la bouche. C'est peut-être pas la bonne expression, faire battre le cœur. Quand la future bien-aimée dit à ses copines, c'est ça, hein, ses compagnes, qu'il me baise des baisers de sa bouche, vous avez compris qu'elle exprimait quelque chose d'extrêmement charnel. Ce qui n'est pas le cas dans l'amour d'amitié. Ou si vous me dites ça alors que vous êtes papa et que vous avez votre petite fille dans les bras, ça m'inquiète drôlement. Vous êtes d'accord? Voilà. Vous voyez? Donc là, c'est déjà tout de suite mettre cette relation qui est en train de naître sous un angle très particulier et qui n'est pas un angle de captation. Parce qu'elle n'a pas dit, elle, dans l'éblouissement initial, que je le baise des baisers de ma bouche. Elle connaît son désir. Et son désir, c'est que l'autre ait le même désir. Est-ce que malgré la fatigue, vous saisissez ce que je dis? Elle dit que lui me baise les baisers de sa bouche. Et ainsi, première étape, oui, je suis très très court là, hein, bien sûr, le désir d'être aimé, aimé d'un amour particulier, ou toute la chair, pour moi le mot chair n'est jamais péjoratif, hein. Attention, sexuel, sexualité, ça peut être un peu tordu. Le Verbe éternel s'est fait chair, les amis, il est devenu homme. Alors pourquoi voulez-vous que les chairs soient péjoratives? Donc, vous voyez, ça commence comme ça. Alors on se dit, oulala, si ça commence comme ça, la suite. Allez, juste pour vous mettre, faire boire après l'eau à la bouche un peu de baume sur le cœur. La deuxième étape, le premier poème, c'est plus l'éveil par le désir, c'est l'élection. Elle découvre, il découvre que l'autre est l'unique parmi les autres. Un lys, alors c'est sous la forme d'un poème. Mon bien-aimé est semblable au lys parmi les chardons. Vous comprenez cette image, n'est-ce pas? L'un est stabilo-bossé. Et derrière cette compréhension, il y a l'élection. Qu'est-ce qu'on appelle l'élection? Le choix. Dans un an, un peu moins. Vous allez devoir mettre un nom dans l'urne pour élire notre chef de l'État, notre président de la République, et puis ensuite nos députés. Vous êtes d'accord? Il faudra bien mettre un nom, puis il sera élu. Et la deuxième étape, c'est que celui-ci, celle-ci, alors là on commence à mûrir, n'est-ce pas, est un lys parmi les chardons. Il est unique, il est différent, elle est différente des autres. Pourtant, elle a deux bras, deux jambes, etc., etc. C'est pas nécessairement, encore une fois, plus belle selon les critères des top modèles, mais c'est elle, et c'est lui. La reconnaissance de cette part singularité de l'autre. Deuxième étape. Troisième étape. Après, je vais vous laisser un quart d'heure pour les conclure. Alors, c'est un poème extraordinaire. C'est le deuxième poème qui correspond à la troisième étape, c'est la prologue. C'est le poème
de la rencontre. La rencontre de l'autre. Alors vous allez me dire, mais non, on l'a rencontrée avant, puisqu'elle est tombée amoureuse. Fatalement, elle a rencontré avant. Non, pas du tout. Je n'emploie pas du tout le mot rencontre dans le sens faible d'avoir croisé la route d'un autre. Ah non, c'est pas en ce sens-là. Oui, parce que vous savez, là, des gens, ça peut être au hasard, dans le métro, des gens qu'on croise, ah machin, tu te rappelles, on s'est vu. Oui, oui, je me rappelle très bien, je ne me souviens plus du tout du nom, mais enfin, c'est pas grave. Il dit, oui, oui, bon, il y a peut-être quelque part. On se souvient plus facilement de ses ennemis que de ses amis, c'est triste, hein? C'est pas faux. Alors, c'est la rencontre. J'ai trouvé celui que mon cœur aime, dit la bien-aimée. C'est un poème très compliqué, assez complexe, parce qu'il s'agit, alors qu'il est totalement différent, puisque c'est un autre, et moi je suis moi, toi tu es toi, et moi je suis moi. Est-ce qu'un toi et un moi, moi qui accède à moi, parce que je sais si je t'aime, j'essaie de connaître mon cœur, mes pensées, mes désirs, je peux les masquer ou les révéler, mais voilà, ce monde intérieur, je l'approche, par contre, je n'approche pas du tout le monde intérieur de la personne qui est en face et qui peut-être est un Don Juan, un Casanova et autres, et qui est en train de me manipuler. Ah oui, c'est possible, c'est possible. Je ne le saurais pas tout de suite. Souvent, on m'a dit, il faudrait nous apprendre les techniques de la séduction et autres. Mais d'autres le font. Et d'autres le feront mieux que vous. Ce sont les séducteurs ou les séductrices, et donc les manipulateurs et les manipulatrices. Hélas, de façon instinctive, ils connaissent tout ça. C'est comme ça. Alors, il y a le troisième, c'est la rencontre. Ça aussi, c'est peut-être le troisième étape, c'est peut-être le plus beau des poèmes. Comment je peux trouver celui que mon cœur aime? Je l'ai désiré, je l'ai élu. Et là maintenant, j'aspire à quelque chose que le pape Jean-Paul II appellera, d'une formule latine, un peu philosophique, la communio personarum, la communion des personnes, pas des individus. C'est très difficile à exprimer, et sachez simplement qu'il y a un jeu de recherche, de fuite, et de recherche à nouveau, jusqu'au moment donné où il se retrouve, et il se rencontre. À un niveau de profondeur, tout à fait extraordinaire. Voilà. Ils ne glissent plus l'un sur l'autre, mus par leur désir. C'est vraiment la rencontre. Alors, je termine là-dessus, puis il y a d'autres étapes après, avant le mariage et après, mais simplement pour vous dire, voyez, aujourd'hui, si j'ai une explication à donner sur cette question du célibat, je donnerai l'explication suivante. Ce n'est pas, comme on le dit souvent, une question d'engagement. Il peut y avoir une difficulté, voire un obstacle à s'engager. Le mariage, c'est l'engagement. Oui, j'hésite quand même, toute la vie, la même personne, etc. Mais ce que j'ai observé, c'est que les étapes n'étaient pas là. Une ou deux personnes, peut-être quelques exemples, et encore, il faudrait que je les cherche beaucoup, que j'ai vu caler ou hésiter avant l'engagement. Mais la plupart, c'est bien avant la décision d'engagement et le mariage lui-même que ça bug. La vraie difficulté aujourd'hui, me semble-t-il, sont ces trois étapes, dont celle de la rencontre, pas au sens de site de rencontre, hein, mais vraiment, c'est cette difficulté. Voilà, merci, j'attends vos questions. Intervenez. Une vie de chrétien. Bien sûr.
Je n'ai pas dit que votre célibat d'attente aboutirait sur cette terre. Ne serait-ce que parce que peut-être vous ne trouverez jamais la sœur, ou simplement vous mourrez jeune. Et donc vous serez, je vous dis simplement, si ce n'est pas un célibat consacré à Dieu, peut-être à travers simplement ce qu'on appelle dans l'Église des vœux privés. Des personnes que vous ne connaissez pas comme étant religieux ou religieuses, mais qui ont dans leur cœur, se sont totalement donnés à Dieu, en disant « je garderai ma virginité ou mon célibat ». Si, encore une fois, ta question est excellente, je veux bien réinsister dessus, si c'est donc un célibat non choisi, il peut être non choisi pour des raisons d'handicap. Jean Vanier, dans ses communautés d'handicapés de marche, est confronté à cette question de personnes handicapées mentales trop lourdes pour qu'ils puissent se marier un jour. Donc ça leur est imposé par leur handicap. Ce célibat non choisi doit être vécu dans la dynamique, parfois le creusement de souffrance, de l'attente. Et peut-être que vous attendrez toute votre vie. En tout cas, votre vie ne sera pas inféconde, c'est ça que je voulais dire, même si vous n'avez pas rencontré l'âme sœur. Ensuite, n'hésitez jamais à vérifier le cas des agriculteurs que tu as signalé est totalement dramatique. Vérifiez si l'amour n'est pas dans le pré. Bon. Ou, pour le dire autrement, si l'amour n'est pas à côté. C'est assez étrange que nous pensions toujours que l'autre que Dieu nous destine est nécessairement inconnu à l'autre bout du monde. C'est pas sûr, ce n'est pas certain. S'il n'est pas dans le pré, il est peut-être tout près. Non, non, mais arrêtez les hommes de vous éloigner de la jeune fille qui est à côté de vous. Je ne parlais pas des jalousies. Voilà. Non, mais des fois, le virus pourrait passer pendant les jalousies. On a déjà vu, non? Encore une question. Pour ne pas faire trop long. Alors, bonjour, Monseigneur. Ma question va porter sur. Je ne sais pas, un peu étrange la vie de l'âge que vous avez. Et au début, parce que l'anecdote très courte, j'ai deux de mes meilleurs amis qui sont rencontrés, ils avaient 19 et 16 ans. Maintenant, ça fait 6 ans qu'ils sont ensemble. Alors, je me dis, le fait que le petit a 22 ans n'est pas nécessairement très mûr pour ressentir ça, je trouve ça un petit peu étrange. Attends, j'ai pas bien compris ta question. Tu trouves étrange que à 22 ans. Non, non, c'est une frayeur. En fait. Oui. Ce que vous avez dit oui, il n'y a pas d'âge. Si, à 16 ans, on pense au mariage, ne serait-ce que peut-être par éducation, on nous a ouvert à cette réalité, c'est tant mieux. Et ce n'est pas pour rien, d'ailleurs, que les petites filles se mettent des robes de princesse. Et je ne pense pas que ce soit simplement le poids culturel, comme on veut le dire parfois. Il y a l'idée qui, normalement, est diffusée par le couple de ses parents qu'on a besoin de se marier. Ce que je veux dire, c'est que le célibat dont je parle ne relève pas d'abord d'une conscience qu'il faudra se marier ou avoir, etc., intellectuelle, mais c'est en fait un fait d'expérience. Et cette expérience, c'est la personne qui le fait. Certains, par exemple, ont des hommes en particulier, 25, 28, même 30 ans, n'ont toujours pas réalisé qu'ils étaient célibataires, alors qu'ils ont été catéchisés comme les autres, et qu'ils savent intellectuellement qu'un jour, il leur faudra se marier. Et j'ai rencontré des jeunes femmes qui, elles, au contraire, beaucoup plus tôt, c'est une question d'expérience personnelle, se découvrent célibataires. Ce qui a surpris un certain nombre de personnes, mais donc c'est pour ça que je ne voulais pas fixer un âge, si vous voulez, mais se sentir célibataire, ce n'est pas simplement une idée, c'est un jour on réalise qu'on l'est.
Je ne sais pas très bien comment le dire autrement. Voilà. Et je vous invite à ne pas le réaliser trop tard. Précisément pour que vous puissiez découvrir et exploiter et nourrir le monde des richesses du célibat dont je vous ai parlé. Et en particulier, mettre la dynamique de l'attente. Voilà, alors, est-ce que... Oui, vous avez compris, entendu sa question, elle est très juste, hein. Non, on peut rire un peu, ça fait un mariage un peu par dépit, par défaut. Bon, mais on comprend très bien. J'ai vu, je le comprends d'autant mieux que j'ai vu des amitiés, et des amitiés authentiques, qui un jour ont abouti à des mariages. Car tel peut être aussi le chemin que Dieu veut que vous preniez. C'était un ami, une amie. Alors, ce que je soutiens quand même, c'est que cet amour si particulier entre un homme et une femme suppose quelque chose d'autre que l'amitié. Je vous ai parlé de la chair. Bien sûr que la chair est toujours impliquée, même dans l'amitié. Quand c'est des gens qu'on aime, moi je crois à l'amitié. Alors, vous me pardonnez, ça a toujours été, mes amis ont toujours été pour moi, comme pour Saint-Augustin ou tant d'autres, d'une importance décisive, y compris dans mon chemin spirituel. Voilà. Je crois qu'un certain nombre de mes amis ignorent tout ce que je leur dois. Alors, mais dans l'amour conjugal, il y a une implication particulière de la chair. Et ce désir ne s'invente pas nécessairement. Voilà ce que je voulais vous dire. Ensuite, que l'on passe par la case amitié, qui nous servira à mûrir notre amour conjugal dans le sens indiqué par le Concile Vatican II d'une amitié conjugale, l'expression liée, vous la trouverez dans Gaudium et Spes. Alors oui, très bien, ou que ce soit une personne inconnue et qu'on commence tout de suite sans avoir noué une amitié, bon, ce sont des chemins différents. Simplement, attention. La peur de la solitude ne doit pas vous écraser au point de vous pousser à un engagement que vous auriez à regretter. Ça, je tiens à le dire. Il est vrai qu'arrivé à un certain âge, surtout si on est fils unique ou fille unique, que les parents commencent à être vieux ou disparaissent, le sentiment de solitude dont on parle tout le temps n'est pas simplement qu'un sentiment, c'est une réalité sociale. Peut se retrouver comme cela à 50 ans, 55 ans, plus de parents, famille lointaine, peut se retrouver dans une... la retraite qui arrive. J'ai connu comme ça une institutrice au sud de la France. En plus, institutrice, donc c'était très, c'est un métier gratifiant qui nous met en contact permanent avec des enfants, avec des personnes, et d'autres métiers aussi, mais voilà. Et d'un seul coup, la retraite, ouf, décompensation terrible. Alors, ensuite, l'amour nuptial et conjugal peut prendre beaucoup de formes, encore une fois. On peut être surpris, chacun et chacun, chacune et chacune, et s'il y a des quelques grandes étapes à réaliser, sachez qu'ensuite, en tout cas, l'amitié peut très bien disposer à merveilleux amours conjugal. Je vous le dis, c'était un peu ma manière humoristique de vous dire parfois, l'amour est plus près qu'on ne le pense. Une dernière. Monseigneur, vous avez beaucoup parlé de cette disposition à l'attente. Quel petit truc permettent de l'entretenir? Quel petit conseil vous donneriez à des personnes qui traversent ces périodes difficiles pour entretenir cette attente? Alors, oui, je sais, mais comment le dire? Mais gentiment, délicatement. C'est le fossé de la délicatesse. Alors,
il ne faut jamais se soumettre. Voilà. S'abandonner à Dieu, un abandon à la divine providence, etc. Mon Père, je m'abandonne à toi. Vous l'avez peut-être chanté, hein, le prière du Père Charles de Foucault. Ce n'est jamais démissionner devant les éléments ou devant les événements. Je vais vous dire ça autrement. Le chrétien, c'est un combattant. Il sera comme à Cameroun. C'est un petit village au Mexique qui est aujourd'hui la grande fête de la Légion étrangère. Et c'est une défaite. Mais vous allez me dire pourquoi ? Vous connaissez la Légion étrangère, hein ? Les képis blancs qui défilent parmi au 14 juillet. Vous vous souvenez ? Vous voyez un petit peu ? Képis blancs. 140 pays du monde qui viennent se battre pour la France. C'est unique au monde. C'est ce qu'on appelle la Légion étrangère. Et ils ont une fête, Cameroun. C'est la campagne du Mexique de Napoléon III, du Second Empire. Et voici qu'ils sont coincés, je vous passe le détail, un petit, tout petit corps commandé par le capitaine d'Anjou, qui avait déjà eu la main arrachée dans une bataille précédente. Il avait une main en bois, qu'on garde aujourd'hui comme une relique. Entouré, ils sont quelques dizaines de plus de 2000 Mexicains. Ils vont perdre, mais ils se sont battus jusqu'au bout. Et c'est ça que la Légion étrangère célèbre. Et c'est très beau. Ce n'est pas la victoire qu'on célèbre, ni la défaite, qui ne dépend pas toujours de nous, encore une fois, pas plus dans l'armée que dans la vie. Il y a des tas de choses que vous ne dominerez pas dans les éléments du monde ou les événements de l'histoire qui font pression sur vous. Hein ? Quelqu'un que j'ai eu la chance de connaître, avec qui mon frère, qui est médecin pédiatre généticien, a travaillé longtemps, le professeur Jérôme Lejeune, et m'est à raconter l'une des figures de la médecine française la plus brillante du XXe siècle. Hein, vous savez, hein, voilà, hein, membre de l'Académie de médecine, tout ce que vous voulez, professeur, fondateur de la chaire de génétique à Paris. Il n'a jamais eu son internat. La première fois parce qu'il a été malade, il n'a pas pu passer le concours, la deuxième fois parce que son train était en retard, il n'a pas pu passer le concours. Donc je ne vous dis pas ça, je veux dire, à quel point ils ont perdu, mais ils se sont battus jusqu'à la dernière cartouche. Ça, c'est le nom aussi d'une autre bataille, où ce sont les troupes coloniales qui se sont illustrées, c'est à Bazeilles, c'est dans l'est de la France, là c'est un régiment de troupes coloniales, qui est aujourd'hui d'infanterie de marine, qui se sont battus jusqu'à la dernière cartouche. Ils m'ont rendu les armes, quand vous n'avez plus de cartouche. Mes amis, je vous invite à ça. Et si vous trouvez que c'est parce que je le dis, parce que je suis l'évêque aux armées, je vous dirai, toute notre tradition, à commencer par saint Paul, nous parle du combat chrétien. Alors, le combat chrétien contre les forces du mal, contre les forces d'Athéis, mais aussi contre certains éléments de l'histoire ou des événements de la vie qui vous arrivent et qui vous contredisent. Alors, voilà, courage. Plus ça va, plus je trouve que la qualité principale du chrétien, c'est le courage. Merci beaucoup.